C'est mon ami et il me disait qu'il veut se vanter de ce que Dieu a fait. So the bus we were praying for, which was carrying most of the brethren to Rwanda. Le bus pour lequel nous avons prié la dernière fois qui transportait la plupart des frères au Rwanda. Just when he was leaving Kampala town, juste quand il sortait de la ville de Kampala, la police les a arrêtés. Because they will normally stop the bus, they check the driver, check the tires, check the time. Parce qu'en principe, ils font des contrôles. Ils contrôlent le chauffeur, les roues de la voiture, le temps. Yeah, because they are trying, they are controlling the speed, so they note the time you reach that town. When you reach the next town, they will check to see whether you've been overspeeding. Parce qu'ils contrôlent la vitesse à laquelle les chauffeurs conduisent. Donc quand tu sors de la ville, ils regardent l'heure à laquelle tu es parti. Et quand tu arrives, on va regarder la valeur à laquelle tu es arrivé. Pour voir si tu as fait si un excès de vitesse. So what happened was, it was the same, when they checked the driver, quand on a contrôlé le chauffeur, the policeman told him he could not drive that bus. Le policier lui a dit au chauffeur qu'il ne pouvait pas conduire le bus. Because 6 hours before, parce qu'il y avait 6 heures de cela, that same policeman had checked the vehicle entering the town. Le même policier avait contrôlé le bus quand le bus entrait en ville. And it was the same driver. Et c'était le même chauffeur. So he told him, you are tired, you cannot drive back to Rwanda this night. Et il lui a dit, tu es fatigué, tu ne peux pas encore conduire jusqu'au Rwanda cette nuit. We don't know the man. Nous ne connaissons pas le monsieur. But he insisted, he stopped them until they brought a new driver to come and drive there. Il a insisté jusqu'à ce que on amène un nouveau chauffeur pour conduire les frères. We don't know what would have happened if that driver continued the journey. On ne sait pas ce qui se serait passé si ce chauffeur avec son 10 frères de la CNC and dans le plus. Most of the leaders. Et la plupart d'entre eux les dirigeants. So he was just saying, God takes care of the details. Donc mon ami était en train de dire que Dieu prend soin des détails. How come he was the same policeman? Comment se fait-il que c'était le même policier? How come he recognized the driver? Because sometimes they just check and they don't even take note. Mais comment se fait-il qu'il a reconnu le chauffeur? Parce que parfois, ils font juste des contrôles à la valise et ils ne remarquent même pas le chauffeur. So we really thank God that he intervened. Donc nous remercions vraiment Dieu parce qu'il a intervenu. From that little window, we could see that the enemy was planning something against us. À partir de cette petite fenêtre, nous avons vu que le diable planifiait quelque chose contre eux. Praise the Lord! Là-bas, thank the Lord for protecting all the brethren who travel to Uganda. Remercier le Seigneur. D'avoir protégé tous les autres frères qui ont voyagé sur Kigali. Thank you for a disciplined transport system. Ici, remercier le Seigneur pour un système de transport discipliné. That is, if a driver is leaving Bergois, c'est-à-dire que si un chauffeur part de Bergois pour aller à Yaoundé, as soon as he leaves, dès qu'il part, the police say, they can do this. Le policier du véhicule numéro 1080 part de Bertois à 8h30 par l'agence Alliance, par exemple. Il est supposé arriver à Bombard, disons à 9h45. S'il arrive là avant, on sait que on n'a même pas besoin de révélation. On sait quand il part d'ailleurs. On sait quand il est supposé arriver à Ayos. On sait quand il part d'ailleurs. Il est supposé arriver à Ayos. Si il arrive avant, on sait que sa vitesse n'était pas la bonne. Ça, c'est la discipline. Remercier le Seigneur pour cette bonne discipline. Parce que. J'ai dit qu'elle vient d'expliquer parce que nous, on ne connaît pas ce genre de choses ici. Pray that road, those in charge of the road, the transport system, will come up with something. There's not a lot of progress. Priez pour que ceux qui sont
le ministère de transport, le ministère de la police doit travailler en collaboration avec la police. Okay, the police are supposed to impose discipline upon the nation. Les policiers sont supposés juste imposer la discipline sur la nation. But most of the time they are there for their personal interest. Mais la plupart du temps, les policiers sont sur la route pour leurs intérêts personnels. Il y a certains véhicules qui ne doivent pas circuler. Learn some lessons on prayer from the passages we read. That is from 1 Samuel chapter 7, right up to chapter 12. Nous allons apprendre quelques leçons sur la prière à partir des passages que nous avons lus jusque-là, à savoir 1 Samuel, chapitre 1 au chapitre 7. Nous avons lu déjà ces chapitres, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous allons juste tirer quelques leçons sur la prière. Au chapitre 7, versets 1 et 2. So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They brought it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eliezer, his son, to guard the ark of the Lord. The ark remained in Kiriath Jearim a long time, 20 years in all. Les gens de Kiriath Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Then all the people of Israel turned back to the Lord. Praise the Lord. Amen. The ark was the center of their worship. L'arche, c'était le centre de leur culte. It is also called the ark of the covenant. C'est aussi appelé l'arche de l'alliance. Because it contains the book of the covenant or the tablets of the covenant. Parce qu'il contenait le livre de l'alliance, bien les tables de l'alliance. That is, you know, it was the other time of God. C'est l'autre jour quand le frère Tendo enseignait que j'ai compris. Je savais déjà qu'il y avait deux tables. On one, sur l'une des tables, were laws relating man and God. C'était on avait écrit des lois concernant Dieu, la relation entre Dieu et l'homme et Dieu. And then the other one, et sur l'autre table, the relationship between man and man. Les relations entre l'homme et l'homme. Thou shalt not covet. Tu ne convoiteras point. The first one, thou shalt not kill. Le premier, tu ne tueras point. Thou shalt not covet. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point. The relationship. La relation entre hommes. And that is what the Lord said. The laws and the prophets have summarized the two words. Thou shalt love the Lord thy God. C'est pourquoi le Seigneur avait dit que la loi et les prophètes se résument en deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras, de l'autre côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça que Jésus avait dit à cet homme, n'est-ce pas? That is the content. Ça, c'est le contenu of what God gave them. De ce que Dieu leur avait donné. To ensure that their relationship with God was as God wanted, pour s'assurer, each other as God wanted. Pour s'assurer que leur relation avec Dieu était telle que Dieu la voulait et que leur relation les uns avec les autres était telle que Dieu la voulait. In Exodus chapter 19, verse 8, dans, 3 to 8. Dans Exode chapitre 19, verset 3 to 8. Ah oui, je voudrais que nous lisions. Exode chapitre 19. From verse 3 to 8. Verset 8. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, this is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel. You yourself have seen what I did to Egypt, and how I carried you
on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then you out of all nations will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So Moses went back and summoned the elders of the people and said before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. Donc nous lisons dans l'Exode au chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi ?» Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. L'anglais dit ça mieux. Vous serez ma possession de choix. Yeah, in English it says, if you have another version in French that says, non, this is this one. Okay. Est-ce que vous avez, est-ce que quelqu'un a la version semeur? Oui, qu'est-ce que ça dit? Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Un peuple précieux. Vous serez un peuple précieux. Et ça, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Précieux, c'est déjà mieux. Parce que quelqu'un peut t'appartenir, ça reste précieux. Then out of all nations will be my treasured possession. Et vous serez ma possession de choix. My treasure. Vous serez un trésor pour moi entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Praise the Lord. So that's, the Lord told them exactly what he expected of them. Donc l'Éternel leur avait dit exactement ce qu'il attendait d'eux. And what they will be for him. Et ce qu'il leur avait dit, ce qu'il serait pour lui, first in his heart, tout d'abord dans son cœur, son peuple spécial, une possession qui serait un trésor pour lui. And then as a kingdom, et en tant que peuple sur la terre, ministers to God. Il serait des ministres de Dieu. You'll be a kingdom of priests. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. That's what God was telling them. Voilà ce que Dieu laissait leur donner. Et ils ont dit à Moïse, frère Moïse, va dire à Dieu que nous avons accepté. Just to link it back to what we saw some days back. Pour relier ça à ce que nous avons vu par le passé. When we say we are a holy nation, we are God's chosen people. Quand nous disons que nous sommes une nation sainte, nous sommes le peuple acquis de Dieu, nous sommes ceci, nous sommes cela. God does not change his mind. Dieu ne change pas d'avis. Respect his eternal purpose. Par rapport à ses desseins éternels. Is that what he promised them? Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu leur a promis? And that's what Jesus Christ has brought to us. Et c'est ça que Jésus-Christ nous a apporté. Nous we are a redonné. We are not a holy nation. Maintenant, nous sommes une nation sainte, le peuple acquis de Dieu. We said different names. Nous avons dit les différents noms par lesquels nous appelle. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, ainsi de suite. That's what God, in fact, which they rejected, and the new covenant. That's what God has brought to us through Jesus Christ. Voilà ce que Dieu avait offert aux Israélites qu'ils avaient rejeté. Et dans la nouvelle alliance, voilà ce que Dieu a, Jésus-Christ nous a apporté à nous.
Then the Lord spoke again, then he gave them the Ten Commandments in chapter 20. Et au chapitre 20 de l'Exode, l'Éternel leur a à nouveau parlé, leur donnant les 10 commandements. How can you be speaking when you are hearing things like this, brother? It's a lazy spirit. Comment vous êtes en train de dormir quand on parle des choses de ce genre et à cette heure-ci, frère? You will not understand. C'est un esprit de paresse. Vous n'allez pas comprendre. And this, but you don't have the faith that comes from knowledge. Vous allez dire des choses du bout des lèvres, mais vous n'aurez pas la foi qui provient de la connaissance. Maybe that's the type of prayer we like. Peut-être c'est le genre de prière que nous aimons. On a les sujets, on lit, ou bien on a le chapelet comme les catholiques. Oui. On égrène ça. One of my disciples gave me a countdown. What am I supposed to do? He said, can't you give the opportunity? Un de mes disciples m'a donné un compteur. Lui a demandé c'est pour faire quoi. Il dit c'est quand tu prends l'opportunité. His understanding is counting. Sa compréhension c'est de compter. L'opportunité is not just counting 700 times. L'opportunité ce n'est pas seulement compter 700 fois. If that's the child prayer you like. Si nous voulons le genre de prière où on nous pose jusqu'à bouche, on parle, on n'a pas besoin de venir ici. Tu peux rester chez toi, prendre les sujets de prière, lire. On the micro or the tape recorder and just put it in. Ou bien tu enregistres ça dans un. You put it on the chat, say God. Tu enregistres and put it there. You listen to record dans un enregistreur. Et tu poses ça là, tu dis Dieu, ouvre tes oreilles, écoute. Oui, et ça joue. After 4 hours. Ça joue pendant 4 heures. Et après 4 heures, je vais venir enlever ça, je vais enregistrer que j'ai prié 4 heures. Si c'est le genre de prière, on n'a pas besoin de venir ici. Nous donnons cet arrière-plan pour que nous puissions saisir quel Dieu est celui avec qui nous traitons dans la prière et pour pouvoir apprendre des erreurs des autres. These things were written down for our instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. That's what the Bible says. C'est ça que la Bible dit. Don't take your sleeping as something. It's a very deep problem. Ne justifie pas ton sommeil. Ne dis pas que c'est à cause de ceci ou de cela. C'est un profond problème. C'est un manque d'intérêt en Dieu. I told the brethren. J'ai dit aux frères. That I hardly sleep during the week. Que je dors rarement pendant les réunions. Because I am hanging on every word that the teacher is saying. Parce que je suis accroché à chaque parole que l'enseignant donne. And I write down things. Et j'écris. When Sister Madeleine was doing this morning, quand la sœur Madeleine dit, I noted something, some prayer that I would pray for. J'ai noté certains sujets de prière pour lesquels nous allons prier, which I didn't think of before. Auxquels je n'avais pas pensé avant. I don't sit passively. Je ne m'assieds pas passivement à une réunion. And if you sit passively, you are cooperating with the devil. Et si tu t'assieds passivement à une réunion, tu es en train de coopérer avec le diable. If you think that when God is training his army, the devil is absent, you are very mistaken. Si tu penses que lorsque Dieu est en train de former son armée, le diable est absent, tu te trompes énormément. Sleep is one of his weapons. Le sommeil, c'est l'une des armes du diable. Position that you start sleeping. Tu prends même une position à partir de laquelle tu vas juste commencer à dormir. Tu n'as pas tant de stylo. Tu n'as pas de stylo dans ta main. Donc tu t'attends même pas à ce que Dieu te parle. Or you think that your brain is still as young as it was. Ou bien tu penses que ton cerveau est encore aussi frais qu'il y a 10 ans. If you don't know, si tu ne sais pas, ou que quand tu avais 10 ans, si tu ne sais pas, tu as pris de l'âge. You may think that your brain tu as vieilli. Tu peux penser que ton cerveau est encore très actif. Even if it is, it has many things to carry. Même si ton cerveau reste actif, il a beaucoup de choses à porter. Chapter 24. Exode chapitre 24. Verse 3 to 8. Verset 3 au verset 4. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one word. Everything the Lord has said, we will do. Verset 3, Exode chapitre 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moses then wrote down everything the Lord had said. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Verse 5.
Verset 5. Then he sent down Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed young bulls as fellowship offerings to the Lord. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verse 6. Moses took half of the blood and put it in bowls, and the other half he splashed against the altar. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Verse 7. Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said, we will obey." Verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So, everything was sprinkled with blood. Donc tout était aspergé de sang. So we have God. Donc nous avons Dieu. Who proposed a covenant to the people. Qui a proposé une alliance au peuple. Then the content of the covenant was written in the book, they called the book of the covenant. Et le contenu de l'alliance était écrit dans le livre, on appelle ça le livre. Then de the person who was handing the covenant was Moses. Et le médiateur entre Dieu et le peuple au sujet de l'alliance, c'était Moïse. Then you have the people. Et il y a le peuple. And then there was the blood to seal the covenant. Et il y avait le sang pour sceller l'alliance. So in that ark. Donc dans cet arche. Which was called the Ark of the Covenant. Qui est appelé l'Arche de l'Alliance, the Ark of the Lord, ou l'Arche de l'Éternel, had that document inside. Il y avait ce document à l'intérieur. So this is the Ark that these people here, they forgot the part of the covenant that required what they should be, what they should do. Donc c'est de cette Arche que le peuple avait oublié une partie de l'Alliance, de ce qu'il devait être, de ce qu'il devait faire. Leur responsabilité par rapport à l'alliance, ils avaient oublié. But they only wanted God to come with them. Mais ils voulaient juste que Dieu aille avec eux. That's how the Philistines took the ark. Et c'est comme ça que, pour finir, les Philistins ont emporté l'arche. And he was now pushed from being the central place. Shiloh had already been despised by the people's only son. They had despised the ark. Shiloh avait déjà été méprisé. Les fils d'Eli avaient méprisé l'arche. I just abandoned to their relationship. Ils avaient juste abandonné leur relation avec Dieu. So this ark was now at Abinadab's home. Maintenant, cet arche était dans la maison d'Abinadab. And the Philistines were treating the Israelites with harshness. Et les Philistins maltraitaient les Israélites. And they said they turned to the Lord. Et il est dit que les Israélites se sont tournés vers l'Éternel. Samuel did not palliate their sin. Samuel n'avait pas amoindri leur péché, n'avait pas fait comme s'il n'avait pas péché. He was loyal to God and was loyal to the people. Il était loyal à Dieu et il était loyal au peuple. Il leur avait dit, if you are returning to the Lord, si vous revenez à l'Éternel, 1 Samuel chapitre 7, with all your heart, de tout votre cœur, with all your heart, de tout votre cœur, then rid yourselves of foreign gods and the Asherites. C'est le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. And serve and commit yourself to the Lord and serve only him and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Avant de continuer là-dessus, the Lord Jesus Christ came with the new covenant. Le Seigneur Jésus-Christ était venu avec la nouvelle alliance. There is God. Il y a Dieu. There are the people, the sinners like you and I were. Il y a le peuple, les pécheurs comme toi et moi nous étions. We heard the gospel. Nous avons entendu l'évangile. Nous nous sommes repentis. Nous avons cru en lui. Et maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. And that covenant was sealed with his blood. Et cette alliance, le Seigneur Jésus l'avait scellée par son sang. So again, there is God.
Et une fois de plus, c'est comme la première fois, il y a Dieu. There is the book of the covenant. Il y a le livre de l'alliance, which is the word of the Lord. Qui est la parole du Seigneur, la Bible. There is the blood of the covenant. Il y a le sang de l'alliance. And then there is the mediator. Et il y a le médiateur, l'exécuteur. L'exécutant, is Jesus Christ. C'est Jésus Christ. And then, the people are those who have come to him. Le peuple, c'est ceux qui sont venus à lui. And the blood of the covenant. Et le sang de l'alliance. So when you receive the Lord, donc quand tu as reçu le Seigneur, if you are his disciple, si tu es son disciple, when he comes, lorsqu'il vient before God, devant Dieu, or when we come before God, lorsque nous venons devant Jesus Dieu, is there. Jésus est là, with his blood, avec son sang. We are now a new people. Nous sommes maintenant un nouveau peuple, priests and servants of God, des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. All of us, nous tous. He stands there. Jésus se tient là, and we are there with him. Et nous sommes là avec lui. He's the one who ensures that we succeed. C'est lui qui s'assure de notre succès. As long as we stay in submission and obedience. Tant que nous restons soumis à lui, and obedient to him. Et que nous lui restons obéissants. He will not reject us. Il ne va pas nous rejeter obedience. Si nous sommes désobéissants, mais it will be impossible for God to fulfill the contents of the covenant. Si nous sommes désobéissants, il ne va pas nous rejeter, mais ce sera impossible pour Dieu d'accomplir les termes de l'alliance. And you have cut your short-circuited your prayer ministry. Et tu auras ainsi court-circuité ton ministère de prière. And tie God's hands so that God cannot come to you in your hand. Et tu auras lié les mains de Dieu pour que Dieu ne puisse pas venir à ton aide. It was in Matthew 26, 27 to 28. C'était dans Matthieu chapitre 26, verset 27. Don't close the first Samuel chapter. Ne fermez pas 1 Samuel. Matthieu chapitre 26, verset 27. Verset 27 et 28. Then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. This is my blood of the covenant, which is poured out for you. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. We can also read this in the contents of the covenant in Hebrews chapter 8. Vous pouvez aussi lire ça dans le contenu de l'alliance dans Hébreux chapitre 8. Yes, je crois que c'est important. Hébreux chapitre 8. 8. Hébreux chapitre 8, verset 8. That God has become his father. Que Dieu
est devenu son père. One was singing, everybody had his own. Everybody was singing what the Lord was doing. Quand on chantait, tout à l'heure, quand nous l'appelons, chacun chantait ce que l'Éternel, le Seigneur, est pour lui. Ah, merci pour l'assurance. Et il chantait avec assurance. It's part of it. Ça fait partie de cela. The covenant on which we stand, the covenant through which we have access even to God. L'alliance sur laquelle nous nous tenons, l'alliance à partir de laquelle nous avons accès même à Dieu. Leur alliance à eux était écrite sur deux tables. Pour nous, Dieu l'écrit dans nos cœurs. Tu sais. Tu sais quand tu es en train de pécher contre Dieu. Même si tu n'as jamais lu la Bible, tu sais quand tu es en train de pécher. Si tu es un enfant de Dieu. Dieu a fait quelque chose. Il a écrit ses lois dans nos cœurs. Nous savons. Not because A plus B equals C. Pas parce que A plus B égale C. You know. Mais tu sais que God is there in you. Tu sais parce que l'Esprit de Dieu est là en toi. To lead you. Pour te conduire. That's why the Bible says, don't quench the Spirit, don't hurt the Holy Spirit. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit et n'attristez pas l'Esprit de Dieu. So, someone told me, if you want to come back to God, don't play politics. Donc Samuel avait dit au peuple, si vous voulez revenir à Dieu, ne jouez pas aux politiciens. Just you know the things God, even if you don't know, I'm telling you, get in our place. We are vous connaissez les choses que Dieu n'aime pas. Même si vous ne les connaissez pas, nous avons été ensemble. Je vous dis, débarrassez-vous de ceci et de ceci et de cela. Et le peuple l'a fait. Initialement, they just wanted to see the manifestations of God, not caring about their relationship with God. Tout ce qui les intéressait initialement, c'était juste de voir les manifestations de Dieu, que Dieu se manifeste, qu'il les délivre de leurs ennemis, par leur relation avec Dieu. They were not concerned about whether were our lives acceptable to God. Ils ne voulaient pas savoir si leur vie était agréable à Dieu. And that's what many people want. Et c'est ça que that's plusieurs veulent. C'est le genre de relation formidable. C'est le genre de choses que plusieurs veulent. Ils veulent juste des formules. Where you can just say this, 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 and God. Ou dès que tu dis ceci, 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 allez, Dieu agit. Dieu ne se comporte pas comme ça. Au moins, tout au moins, pas avec ses enfants. So the Philistines were afraid of them. Donc, les Philistins étaient une menace pour eux. Verses 5 and 6. Au verset 5 et 6 de 1 Samuel, verset 7. Then Samuel said, Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you. Amen. Amen. Verset 5. Samuel dit, Assemblez tout Israël à Mizpah, et je prierai l'Éternel pour vous. And when they assembled at Mizpah, they drew water and poured it out before the Lord. Et ils s'assemblèrent à Mizpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. On that day they fasted and they confessed. They had sinned against the Lord. Verset 6. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, Nous avons péché contre l'Éternel. Now Samuel was serving as leader of Israel at Mizpah. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpah. I like the way he was serving as leader. J'aime la manière dont c'est dit en anglais. Samuel servait en tant que dirigeant. Il servait les enfants d'Israël en tant que dirigeant. So his leadership was a service to the people of God. Donc son leadership c'était un service rendu au peuple de Dieu. He was serving the people. With God. Il servait le peuple de Dieu avec Dieu en leur donnant Dieu. And teaching them how they should live with God. Et en leur enseignant comment vivre avec Dieu. We need to grow in the knowledge of God. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Someone to tell them.
Samuel pouvait dire aux Israélites, faites ceci, ceci et cela. And I'm interceding for you. Et j'intercéderai pour vous. They knew that was a man whose prayers God answered. Ils savaient que Samuel était un homme dont Dieu exaucait les prières. It was not the, it's not because he was leader, but because they knew he had something with God. Ce n'était pas parce qu'il était dirigeant, mais parce qu'il savait qu'il avait quelque chose avec Dieu. They poured water on the ground and the king. Ils ont répandu de l'eau sur la terre, la Seigneur, comme pour dire, Éternel, nous ne sommes rien. Nos vies sont comme cette eau. Quand tu répands de l'eau, est-ce que tu peux à nouveau la collecter? It's gone. C'est parti, c'est parti. And in front of this, Philistine, et devant ces Philistins, ils peuvent juste nous éliminer. They humbled themselves in fasting. Ils se sont humiliés dans le jeûne. And they confessed their sins. Et ils ont confessé leurs péchés. Because Samuel knew. Parce que Samuel savait. Agnès va là. Réveille ta voisine. He knew. Samuel savait. And just as David later on said. Tout comme David l'avait dit plus tard. In Psalm 66. Dans le psaume 66. Verse 16 to 19. Verset 16 à 19. At least the person has made progress with God. Let us pay attention to what he says. Au moins, si quelqu'un a fait du progrès avec Dieu, nous ferions mieux de prêter attention à ce qu'il nous conseille. In English, it's from verse 16 to 19. Psaume 66, en anglais, come and hear all you who fear God. Let me tell you what he has done for me. Au verset, en anglais, c'est le verset, en français, c'est le verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce que l'Éternel, ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait pour moi. I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. God has surely listened and has heard my prayer. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Praise be to God, who has not rejected my prayer, but withheld his love for me. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. He knew, il savait, that to store sin in your heart, que emmagasiner le péché dans ton cœur et venir prier avec sa femme, c'est perdre ton temps. To love what God hates. Il savait que aimer ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu est, you can see it as you're not. Si tu le fais, tu peux dire des prières, mais tu ne seras pas en train de prier. So these people confessed their sins. Donc, les Israélites ont confessé leur péché. Said, God, here we are, we are the guilty ones. Ils ont dit, Éternel, nous voici, c'est nous les coupables. They acknowledged their sins. Ils ont reconnu leur péché. They had 20 astarotes. S'ils avaient 20 astartés, ils sont allés enlever l'un après l'autre, ils les ont apportés. They had many bars. S'ils avaient beaucoup de balles, images of balles, beaucoup d'images de balles, ils les auraient, ils ont dû toutes les sortir. For them was a matter of life or death. Pour eux, c'était une affaire de vie ou de mort. For us, pour nous, we want to have God. Nous voulons avoir Dieu. And in 1 John chapter 3, verse 19 to 24. Et dans 1 Jean chapitre 9, chapter 3. Pardon, dans 1 Jean chapitre 3, verse 19 to 24. Verset 19 à 24. 1 Jean chapitre 3, verse 19 to 24. Verset 19 à 23. This is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts at rest in His presence. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Yes, our hearts are pressed in his presence. Nos cœurs rassurés dans sa présence. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and he knows everything. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. They're just saying, don't justify what your heart is condemning. C'est juste pour dire, si ton cœur te condamne au sujet de quelque chose, ne justifie pas.
Because God who sees better. Parce que Dieu qui voit mieux knows your heart. Connaît mieux ton cœur. Verset 21. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. And receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Is this verses that I wanted us to pay attention? C'est ce verset que je voulais que nous voyions. And this is his command to believe in the name of his Son Jesus Christ and to love one another as he commanded. Les versets qui suivent, c'est-à-dire à partir de 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Believing in the name of the Lord Jesus Christ is bigger than just saying, I've come to Jesus to be saved. Croire au nom du Seigneur Jésus, c'est plus grand, c'est plus étendu que dire juste, me voici, je suis venu pour croire au Seigneur. That is, you give your life to him. C'est-à-dire, tu lui donnes ta vie. And you seek to enter Sister Ma from his shepherd. Is that not his name? Il est, Jésus est appelé berger, n'est-ce pas? C'est son nom, n'est-ce pas? When you are in need of a shepherd, quand tu as besoin d'un berger, that means you know that divine experience. Tu dois connaître le nom berger, le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est berger dans l'expérience. All those names by which we call him. Tous ces noms-là par lesquels nous l'appelons. It's not something to recite to God. Ce n'est pas quelque chose à réciter à Dieu. God wants us to enter into the experience of each of those names. Dieu veut que nous entrions dans l'expérience de chacun de ces noms. If you say he's high priest, si tu dis qu'il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, then you can come to God only on his name. Alors tu ne peux t'approcher de Dieu que en son nom. If you're in temple panics before something happens, you are panicking, you are going to the east or you are dropping from another seat. You don't know him as Prince of Peace. Si tu es le genre qui panique, dès que quelque chose arrive, tu paniques, tu sautes à gauche, tu sautes à droite, tu cries. Ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Est-ce que tu es out of fear? Non, tu envoies des sujets de prière, est-ce par peur, pas par foi. Ça veut dire que tu ne connais pas Jésus, le Prince de Paix. If you are in debt, si tu es endetté, or you need money, and the only thing is I don't follow, so understand. Ou bien quand tu as besoin d'argent, la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est il faut que je m'emprunte et il faut que je m'endette. Lord, I don't want to borrow from unbelievers or from believers. I'll borrow my tithe. Tu dis Lord, oh, Seigneur, il faut que tu vas comprendre, tu comprends, Seigneur. Je ne veux pas m'endetter auprès des non-croyants ou même des croyants. Je vais emprunter ma tête. Next month, I shall pay back the 20%. Dans le mois prochain, je vais rembourser avec 20% de plus. You don't know he must provide. Si c'est comme ça que tu te comportes, alors tu ne connais pas Jésus, celui qui pourvoit. If you think that because you have fasted, et si tu penses que 7 days, 10 days, that's when you have authority for God. You don't know him as the way to God. Si tu penses que c'est quand tu as jeûné 3 jours, 7 jours, 10 jours ou plus, c'est alors que tu peux t'approcher de Dieu. Alors tu ne connais pas Jésus comme le chemin qui conduit à Dieu. Fasting is important, it's very necessary. Le jeûne est bien entendu important. Bien entendu, le jeûne est important et très nécessaire. Mais si tu crées d'autres chemins, d'autres voies pour venir dans la présence de Dieu en dehors de Jésus seul, so that when you cannot fast, you feel that de sorte que quand tu ne peux pas jeûner, you cannot rejoice with your brother who is fasting. Tu as l'impression que tu ne peux pas te réjouir avec ton frère qui est dans le jeûne. You cannot go into God's presence with boldness. Alors tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec assurance. It has become Jesus plus fasting. C'est devenu Jésus plus jeûne. Jésus plus me donne accès à Dieu. Tu ne le connais pas comme ton souverain sacrificateur. So believing here, donc, and this is his command to believe in the name of his Son Jesus Christ. Quand il nous est dit ici, dans 1 Jean chapitre 3, verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, Emmanuel, lequel des noms Emmanuel, selon la circonstance. And to love one another as he has commanded us. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. The one who keeps God's commandments.
commandements lives in him and he in them. Celui qui, verset 24, celui qui garde ses commandements, c'est-à-dire les commandements de Dieu, demeure en Dieu et Dieu en lui. And this is how we know that he lives in us. We know it by the Spirit he gave us. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. You can't stress the necessity. On ne peut pas trop insister sur la nécessité to ensure that after prayer and worship before 24 hours a day and particularly when you withdraw to pray. De t'assurer que tu as une conscience claire envers Dieu 24 heures par jour et en particulier lorsque tu te retires pour prier. Someone had built history with God. Samuel avait bâti une histoire avec Dieu. We need such people in our ministry. Nous avons besoin de telles personnes dans notre ministère. Who know God. Des gens qui connaissent Dieu. Quoi? Walk with God. Des gens qui ont marché avec Dieu et qui sont en train de marcher avec Dieu. Des gens qui sont proches de Dieu. Who can say what God is saying in a situation? Des gens qui peuvent dans une situation dire ce que Dieu est en train de dire. Who can pray beyond the facts that they have? Des gens qui peuvent prier au-delà des faits qui sont disponibles. Because they know the mind of God. Parce qu'ils connaissent la pensée de Dieu. Et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Because they walk with the Holy Spirit daily. Parce qu'ils marchent avec le Saint-Esprit quotidiennement. They can easily, when they are praying, they know what the Holy Spirit wants them to pray. Et pendant qu'ils sont en train de prier, ils savent exactement ce que le Saint-Esprit veut. We need such. Nous avons besoin de telles personnes. It will make our praying richer. Ça va rendre nos prières plus riches. We have, the Lord has enabled us to put in the physical discipline of being at the place of prayer. Le Seigneur nous a déjà permis de revêtir la discipline physique qui consiste à nous aller dans le lieu de prière, rester dans le lieu de prière. Tu vas à la chaîne, tu vas à la nuit de prière, tu vas à la journée de prière, tu vas à la réunion de prière de l'église. Tu vas au siège de prière, tu vas en retraite de prière. You cannot negotiate that physical discipline. On ne peut pas négocier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer cette discipline physique. But the spiritual discipline. Mais la discipline spirituelle of a clear conscience with God. Qui consiste à avoir une conscience claire envers Dieu. To know that my life is pleasing to the Lord. La discipline spirituelle intérieure qui consiste à savoir ma vie plaît et agréable à Dieu. It is necessary to make progress in prayer and cover all the responsibilities. Cela aussi est nécessaire si nous allons faire du progrès dans la prière et couvrir toutes les responsabilités, tous les domaines que Dieu veut que nous couvrions dans la prière. Because all what God has asked us to do. Parce que tout ce que Dieu nous a demandé de faire doit être porté dans la prière et doit être prié, couvert dans la prière. When you're praying for a believer, lorsque tu es en train de prier pour un croyant, who has, is it, Samuel could not just pray for those people covering his eyes over their sin. Vous voyez, Samuel ne pouvait pas juste prier pour les Israélites en fermant les yeux sur leur péché, en faisant comme s'ils n'avaient pas péché. You can pray for a believer. Tu peux prier pour un non-croyant, tu peux prier comme ça. But for a child, mais pour un enfant de Dieu, c'est très difficile. Because you pray, parce que tu vas prier, God answers. Dieu va répondre. Because you are righteous, parce que tu es and juste. The sin of the person blocks the answer. Mais le péché de la personne va bloquer la réponse. You need to pray that the person will repent. Tu as besoin de prier pour que la personne se repente. Some of them are hardened. Et certaines de ces personnes sont tellement endurcies that they don't even see their sin. Qu'elles ne voient même pas leur péché. Is this sin? Is that the only sin that you have seen in the Bible? Je dis, c'est le seul péché que vous avez vu dans la Bible. You are treating myself and have lepros. Vous me traitez maintenant comme si je suis lépreux. When you hear such a person, see such a person. Quand tu entends quelqu'un parler de cette manière, tu vois quelqu'un de ce genre. If you have tears, go and weep. Si tu as des larmes, va pleurer. Because Samuel is righteous, he has history with God, he's walking the fear of God. Parce que Samuel est juste. Il a une histoire avec Dieu. Il est en train de marcher à partir de son histoire avec Dieu. Et les Israélites viennent, ils s'asseyent sur leur péché. And they want him to pray. Et ils veulent que
sa mère prie pour eux. He can pray. Il peut prier. And in one of the books, I think it's a life changing talk on prayer. Razak has a diagram there where a righteous person prays, the prayer comes down to the sin of the unbeliever. The sin of the believer is heavier than the sin of an unbeliever. Le péché du croyant est plus lourd que le péché du non-croyant. Because the believer knows better. Parce que le croyant a la connaissance, il sait ce qu'il faut. So he sins his death by choice, not by error. Donc il pêche par choix, pas par erreur. Les Israélites devaient se débarrasser de leur péché parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. As we said, God is very consistent. Comme nous avons dit, Dieu est très consistent. Dieu est très. He's faithful to things he says. He keeps. Il est fidèle à sa parole. In Psalm 25, verse 4. Au psaume 25, verset 4. Sorry, it's verse 4. Verse 14. Verset 14 plutôt, psaume 25, verset 5. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. It's verse 14 in English. Should we say that? Psalm 25. Psalm 25, verset 14. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Ok. L'amitié de friendship of the Lord. L'amitié de l'Éternel. Shall I hide from Abraham what I'm going to do? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? In friendship of the Lord. L'amitié de l'Éternel. It's an open secret. C'est un secret. You want the friendship of the Lord? Si tu veux l'amitié de l'Éternel. Some people want the friendship of the Lord so they can. They want to be special to God. So they say, I'm God's special child. Certaines personnes veulent l'amitié de Dieu pour se vanter juste et dire, hé, je suis l'enfant spécial de Dieu. Je ne pense pas que Dieu aime quelqu'un dans ce monde comme il m'aime. Are you going to measure all the love? Est-ce que tu es déjà allé mesurer tout l'amour de Dieu pour tes enfants? Just because it's your love, si l'amour de Dieu pour toi te satisfait, reste tranquille. Ne compare pas ça à son amour pour quelqu'un d'autre. The Lord confides in those, for the friendship of the Lord is for those who fear him. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. And he makes his covenant known to them. Et il leur he teaches et son them. Alliance leur donne instruction. Il les enseigne. Il les enseigne. The friendship of the Lord. L'amitié de l'Éternel. In John chapter 15, verse 94. Dans Jean chapitre 15, the same thing comes up. Verset 9. À 15, 9 à 14, Jean chapitre 15, verset 9 à 14. La même pensée revient. As the Father has loved me, so I have loved you. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Remain in my love. Demeurez dans mon amour. If you keep my commands, si vous remain in my love. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Just as I kept my Father's commands. And remain in his love. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. My command is this: love each other as I have loved you. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. You are my friends if you do what I command. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Open invitation. Une invitation ouverte à tous from the Lord. Venant du Seigneur. Response. Et la réponse. Each one decides whether he wants to be a friend of the Lord or not. Chacun décide s'il veut être ami du Seigneur ou pas. Open secret. Un secret ouvert. The same thing, the friendship of the Lord is for those who fear him. La même chose. He makes known to them his covenant. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il donne
son alliance leur donne instruction. He was telling his disciples. Il était en train de dire à ses disciples. This is how I relate to the Father. I keep his commands. Voici la relation. Voilà comment je traite avec le Père. Je garde ses commandements. And so I abide in his love. Et ainsi, je demeure dans son amour. Do the same thing. Faites la même chose. I'm abide in his love. Et vous allez aussi demeurer dans son amour. Open secret. Un secret ouvert à tous. Si tu le veux. That's what I'm doing. Voilà. And at the end of that the section of John chapter 15. À la fin de cette section de Jean chapitre 15, just read the end of it. Nous allons lire la fin. Jean chapitre 15. He says, il dit. Oh, sorry, I'm in Luke chapter 15. Jean chapitre 15. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Praise the Lord. Gloire à Dieu. For those who pray. Pour ceux qui veulent prier, the friendship of the Lord is indispensable. L'amitié du Seigneur est indispensable. I don't think you want to be satisfied just with praying. Je pense pas que tu veux être satisfait juste du fait d'avoir prié. And have asked. Et d'avoir des heures. Where are the answers to your prayer? Où sont les exaucements à tes prières? We go back to 1 Samuel. Nous revenons à 1 Samuel. Nous sommes toujours au chapitre 7. Samuel sacrifice the lamb. Samuel a sacrifié l'agneau. The people said, don't stop praying for us, don't stop praying for verse 8. Et au verset 8, le peuple dit, oh Samuel, s'il te plaît, ne cesse pas de prier pour nous. They even said, don't stop crying out to the Lord, our God, for us. Ils ont même dit, ne cesse pas de prier à l'Éternel notre Dieu en notre faveur. That he may rescue us from the hand of the Philistines. Qu'il nous sauve de la main des Philistins. Then Samuel took a suckling lamb. Verset 9, Samuel prit un agneau de lait. And sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Cried out to the Lord on Israel. Cria à l'Éternel pour Israël. And the Lord answered him. Et l'Éternel l'exauça. For us, pour nous, we come into the presence of the Lord. Nous venons dans la présence du Seigneur. Based only on the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Basé uniquement sur le sacrifice du Seigneur Jésus. If our consciences are clear. Si nos consciences sont claires. We pray and God has committed himself to us. Nous prions et Dieu s'est engagé à nous exaucer. God is committed to answer the prayers of his. Dieu est engagé à exaucer les prières de son peuple. And to set them free from the hands of their enemies. Et de les délivrer des mains de leurs ennemis. So that enemy is a hot temper. Que ces ennemis soient un mauvais caractère coléreux. Or a love of the world. Ou bien que cet ennemi soit l'amour du monde. Tu t'es déjà repenti plusieurs fois et rien ne s'est passé. But you see how desperately Israel needed somebody who knew God, who could pray and God, whose prayers God would answer. Mais vous voyez à quel point Israël avait besoin, lamentablement besoin, de quelqu'un qui connaissait Dieu et qui donc Dieu pouvait exaucer les prières. How needy. The unbelievers are. Combien les non-croyants sont dans le besoin? Your family. Combien ta famille est dans le besoin? Whether it's your immediate family or your larger. Que ce soit ta famille immédiate ou ta famille élargie. Your disciples. Combien tes disciples sont dans le besoin? The church in your locality. Combien l'église dans ta localité est dans le besoin? The nation. Combien ta nation est dans le besoin? The nations. Combien les nations sont dans le besoin? And we know God's secret, we know God's way. Et nous connaissons le besoin d'avoir quelqu'un qui connaît Dieu et qui peut prier et Dieu exauce. Et nous connaissons la voie que Dieu a tracée. What God expects. Nous savons ce que Dieu attend d'une telle personne. So that we
those who bring to him the prayers that he can answer. Pour que nous soyons les personnes qui lui apportent les prières qu'il peut exaucer. He said, do this and I'll intercede for you. Il a dit, faites ceci et j'intercéderai pour vous. An intercessor is caught up with the needs of others before God. Un intercesseur est emporté par les besoins des autres devant Dieu. Or God's burdens concerning a people. Ou bien est préoccupé par les fardeaux de Dieu concernant un peuple. If you are just caught up with your own burdens, si ce qui te préoccupe, c'est juste tes propres fardeaux, you can push them aside. Tu peux les étouffer. You don't have to pray for them. Tu peux les étouffer si tu ne sais pas comment prier. And you go and recite your prayers and recite and recite and recite. Et tu vas, tu prends les sujets de prière, tu récites, tu récites, tu récites. And then afterwards, la personne, dès que tu sors de l'endroit où tu pries, your burden comes again. Tes fardeaux reposent sur face à toi. You've not learned to pray and have God answer your personal. Parce que tu n'as pas appris à prier et amener Dieu à exaucer tes propres prières personnelles. Look at Samuel. Regardez Samuel. It was the people. C'était le peuple. Right. N'est-ce pas? But he was there for them. Mais il était là pour eux. He could turn to God on their behalf. Il pouvait se tourner vers Dieu en leur faveur. And that's what we need. Et c'est de ça que nous avons besoin. It's a blessing to have people whose prayers God can answer. C'est une bénédiction d'avoir des personnes dont Dieu peut exaucer les prières. God needs them, people need them. Dieu a besoin de telles personnes et les gens ont besoin de telles personnes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If someone wants to pray, then si quelques personnes veulent prier, qu'elles prient. As we said, not the new prayers. Comme nous avons dit, quand tu pries, ne prie pas pour nous. C'est-à-dire, prie pour ce qui te concerne, toi. Father, thank you very much, Lord God, for your word again. That opens my eyes to see how much, oh God, spiritual discipline, oh God, of a clear conscience before you, Lord God, before I approach you in prayer, it's an absolute necessity. Father, Lord God, I pray in the name of Lord Jesus Christ, Father, that this will stick into my heart, oh God. Father, so that, Lord God, I will constantly ensure, Lord God, that my life, oh God, is right with you. Father, that I will not, oh God, tolerate any sin, be it in thoughts, in words, in deed, in motive, in looks, in desire, or even in the disposition of my heart, Lord God, because I know that, God, I must be clean as I come before you. I pray in the name of God, Jesus Christ, that this will be my daily way of life. Father, so that, Lord God, any prayer, every prayer I lift up to you, Father, it will be evident that it will move you to answer. I beg of God in Jesus' name. Amen. Amen. Was taken. Finally, Saul, son of Kish, was taken.
But when they looked for him, he was not to be found. So they inquired further of the Lord, "Has the man come here yet?" And the Lord said, "Yes, he has hidden himself among the supplies." On commence au verset 20. 1 Samuel chapitre 10. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage. On voulut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. It was a very simple prayer. C'était une prière très simple. Has the man come here, Lord? If he had his Lord. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Has the man come here? Y a-t-il encore un homme qui soit venu? Non, il est écrit, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien dit en français. S'il te plaît, Léon, lis le verset 22. 1 Samuel chapitre 10, verset 22. Parce que l'anglais dit très bien, l'homme est-il venu ici? C'est-à-dire l'homme qu'on cherche. Alors, on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici? Non, ça ne suit pas le fil. Parce qu'ils avaient déjà pris la tribu de Benjamin. Ils ont pris la famille de Matri. Maintenant, on a pris la famille de Kish. It was obvious. Has a man come, Lord? That was a prayer topic, right? Donc le sujet des prières. S'il avait son cahier de prière, il aurait écrit, Lord, Seigneur, et sort here. Saül est-il ici? Simple, very specific. Un sujet très spécifique. Oui, ta version dit ça. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Non, c'est un homme qui s'appelle. Un homme qui est con. On cherchait un homme bien fait. Salut. Ici, le mot, il va se faire ici. Oui, ma fille. Il dit, on interrogea de nouveau le Seigneur. Cet homme est-il venu ici? Cet homme est-il venu ici, c'est ça? Cet homme. C'est quelle version on fait? C'est pour l'instant. And was very simple. Et c'est yes. Très simple. And God prayed. Et Dieu a donné la réponse. Hiding amongst the bagages. Il est caché derrière les bagages. Simple prayer topic. Donc, sujet de prière simple. Very clear. Très clair. Mais vous avez bien compris. Mm-hmm. Ça va beaucoup amuser quand la sœur Emilie a dit ça. Que si Samuel avait son cahier de prière là, il allait écrire le sujet. Mm-hmm. Seigneur. Saül est-il ici? That was a real problem. Ça, c'était un problème réel. So he was not imagining things. Donc, il ne pensait pas plus imaginer quelque chose. Give us the matter of truth. It was very clear. C'était très clair. Ou bien il disait, Seigneur, montre-nous où se trouve Saül. Il aurait pu demander, Seigneur, montre-nous où se trouve Saül. Et il a dit, il est derrière les bagages. God asked that very, very simple thing. Une chose très simple. Turning to God. Se tourner vers Dieu. Chapter 10, verse 1. Le chapitre 10, verset 1. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Samuel prit une fiole d'huile, l'anglais dit d'huile d'olive,
qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Leader over his inheritance. Le chef de son héritage, dirigeant de son héritage. Every leader should know. Chaque dirigeant doit savoir that the people under him are God's people. Que les personnes sous lui sont le peuple de Dieu. God's people. Le peuple de Dieu. The leader prays for those over whom God has established them. Le dirigeant prie pour ceux sur qui Dieu l'a établi. Chapter 12, verse 23. Chapitre 12, verset 23. This word had so backslidden and offended God so much. Ces gens avaient tellement rétrogradé, avaient tellement offensé Dieu. Rejected Samuel. Ils avaient rejeté Samuel. But Samuel says, mais Samuel dit, as for me, quant à moi, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Quant à moi, verset 23, loin de moi, oui, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. He prayed for them. Il priait pour eux. He was not going to stop praying for them. Et il n'allait pas cesser de prier pour eux. Because he was preoccupied with God's interest in the people he was leading. Parce que il se préoccupait des intérêts de Dieu dans le peuple qu'il dirigeait. To him, pour Samuel, and to each of us, et pour chacun whether de nous, you are leader of one disciple or two or whatever who is a leader, que tu sois dirigeant d'un disciple ou dirigeant de deux disciples, of a house ou bien church, que tu sois dirigeant d'une église de maison, ou que tu sois une maman qui dirige, or a father, ou un père qui dirige, of a family, d'une famille, prayerlessness is sin. Le manque de prière, c'est le péché. For those whom you are leading, pour le manque de prière pour ceux que tu diriges, c'est le péché. Yes, God forbid. Il a dit que à Dieu ne plaise that I sin by failing to pray for you. Est-ce que je pêche en ne priant pas pour vous? Then he says, et puis il I dit, will teach you the way that is good and right. Il continue en disant, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. The apostle said, les apôtres ont dit, we will give ourselves to prayer donner, and the ministry of the word. Nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. The making of disciples, la formation des disciples, is to pray for the people, c'est prier pour les, who have pour les committed gens, themselves to fulfill the conditions of being disciples of the Lord. C'est prier pour les gens qui se sont engagés à remplir les conditions que le Seigneur a données pour être ses disciples. You pray for them. Tu pries pour and eux. Teach them. Et tu les enseignes. Observe. À observer all what God has tout ce que Dieu a dit. When they start walking with God, quand ils commencent à marcher avec obeying Dieu, God, à obéir à Dieu, being useful to God, à être utile à Dieu, tu peux considérer que tu as déjà fait d'eux les disciples du Seigneur. Of course, if a person rebels against God, évidemment, si quelqu'un se rebelle contre Dieu, he doesn't want to fulfill the conditions of being a disciple of God. Il ne veut pas remplir les conditions d'être disciple du Seigneur. You cannot tie him. Tu ne peux pas l'attacher. But you can still pray for him. Mais tu peux néanmoins prier pour lui. Oh, I will not sin against God by stopping to pray for him. Oh, je ne pécherai pas contre Dieu en cessant de prier pour vous. I will still continue to teach you what God wants of you. Je vais continuer à vous enseigner ce que Dieu veut. The others will give ourselves to prayer and et les apôtres avaient dit, nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. Those who are under leadership of someone, et ceux qui sont sous le leadership de quelqu'un, he owes them prayer. Il leur doit la prière. They also have to pray. C'est-à-dire qu'il doit prier pour eux. Et eux aussi, ils ont pour responsabilité de prier pour leurs dirigeants. For Samuel, pour Samuel, not to pray for the people was to sin against God. Ne pas prier pour ce peuple, c'était pécher contre Dieu. And it applies to all leadership. Et ça s'applique à tous ceux qui sont des dirigeants. Le Seigneur Jésus-Christ. He prayed for the disciples. Il a prié pour les disciples. He could tell Peter. Il pouvait dire à Pierre. Satan has asked that he shift you like it. Satan a t'a demandé pour te cribler comme du froment. But I prayed for you. Mais j'ai prié pour toi. When you are restored, quand tu seras restauré, strengthen your brethren. Fortifie tes frères.
John chapter 17. Jean 17, he prayed. Il a prié. He gave a report to the Father. Il a donné un rapport, un compte rendu au Père. And he prayed for his disciples. Il a prié pour ses disciples. And he requested very specific. Et les requêtes étaient très spécifiques. Il a même prié pour nous qui allons prier, qui allons venir à croire bien plus loin, bien plus tard. L'apôtre Paul prayed for. L'apôtre Paul a aussi prié pour ses disciples. For those who also disciples of the pour ceux d'entre nous qui étions des disciples du frère Zan, il priait pour nous. He had a book with cards. Il avait un des cartes. Il avait des cartes de l'histoire. Mon anniversaire, mes frères, mes soeurs, les membres de ma famille non convertis, les membres de ma famille convertis. Il priait pour eux. During the March and April courses here, pendant les cours de mars et d'avril ici, I was restored to pray for those under my leadership. J'ai été restauré à prier pour ceux qui sont sous mon leadership. Soit ceux qui sont sous mon leadership spirituel ou alors ceux qui sont directement mes disciples. I have a small notebook. J'ai un petit cahier. In which I written down their names. Dans lequel j'ai écrit leur nom. Sometimes the praying is boring. Somebody prayed about. Parfois, la prière est ennuyeuse et quelqu'un a prié que la prière. God did say that prayer is not ennuyeuse. Dieu n'a pas dit que c'est quand on se sent très bien qu'il va. Prayer is work. La prière c'est. Je m'assois juste d'appeler le nom de tel. Je dis que vous priez pour les déposer dans vos reins. Comment on priait pour les nations là hier? Est-ce que c'était pas ennuyeux? On prend une nation, on prie les mêmes sujets, on prie les mêmes sujets. C'est ennuyeux. But we are making progress. Mais nous sommes en train de faire du progrès. When you are digging a road, quand tu es en train de creuser une route, you are carrying out the same thing. Tu es en train de faire la même chose. But you are advancing. Mais tu es en train d'avancer. Right? N'est-ce pas? You just keep praying. Tu continues juste à prier. Tant que tu es en communion avec Dieu, just keep on. Continue juste. It's boring to the flesh. C'est ennuyeux pour la chair. Because the flesh does not like prayer. Parce que la chair n'aime pas la prière. Thank God. God is the one who feels like it. He says, Dieu merci. Dieu n'a pas dit que c'est quand on se sent bien dans la chair qu'il va exercer. Pray without ceasing. Il a dit de prier sans cesse. So just obey. Alors on obéit juste que ta chair soit contente ou pas. But the leader prays. Mais le dirigeant prie. For the people. Pour le peuple. In 1 Samuel chapter 8 verse 6. Dans 1 Samuel chapitre 8 verset 6. The people had really offended God. Le peuple avait vraiment offensé Dieu. Samuel chapitre 8 verset 6. Someone told them what was going to be like. Samuel leur avait déjà dit ce qu'il fallait. Mais il a quand même prié pour eux. And in chapter 8, you saw the way he testified in front of the people. Dans le chapitre 8, vous avez vu comment Samuel a témoigné devant le peuple. Il a dit, here I am. Me voici. I've been with you from my childhood. J'ai été avec vous depuis mon enfance. I have gray hair now. Mes cheveux ont blanchi maintenant. C'est testifié contre moi. Il a dit, témoigner. Oh, sorry, ce n'est pas le chapitre 8, c'est chapitre 12. C'est plutôt le chapitre 3. Voilà, c'est chapitre 12, verset 3. Nous voici. Rendez témoignage contre moi. En présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Le chapitre 12, chapitre 12, verset 3, verset 3. In English. Here I stand, testify against me the presence of the Lord and his anointed. Whose ox have I taken?
Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? If I have done any of these things, I will make it right. You have not cheated or oppressed us, they replied. Et ils ont répondu, verset 4, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. You have not taken anything from anyone's hand. Et tu n'as rien reçu de la main de personne. Praise the Lord. Voilà. We should have leaders who can testify. Nous devons avoir des dirigeants qui peuvent témoigner. Le frère Zach nous avait dit he doesn't want us to be liars. Qu'il ne veut pas qu'on soit des menteurs. But when you are teaching something, il avait dit quand tu enseignes quelque chose, tell the brethren, dis aux frères, this is the truth. Voici la vérité. Voici une vérité. Je ne suis pas en train, je ne suis pas encore en train de la mettre en pratique, mais je suis en train de me forcer à obéir. Or, this is how I'm obeying. Ou bien voici comment je suis en train d'obéir à cette vérité. So that the brethren will know that we are true. Pour que les frères sachent que nous sommes vrais. The apostle Paul also testified as Samuel did. L'apôtre Paul avait aussi rendu le genre de témoignage que Samuel rend dans ce passage. Dans Actes chapitre 20. Il a dit qu'il n'a convoité au nom de Dieu. On ne va pas le dire. I remember before the last Tuesday where Zach taught us in Damas. Je me souviens le dernier mardi où le frère Zach nous a enseigné à Damas. He stood up while he was teaching. Pendant qu'il enseignait, he said, I have taken nobody's daughter. Il a dit, je n'ai pris la fille de personne. I've taken nobody's money. Je n'ai pris la femme, l'argent de personne. I've taken nobody's wife. Je n'ai pris la femme de personne. I've only told you what the Lord says. Je n'ai fait que vous dire ce que l'Éternel dit. Why are you resisting righteousness? Pourquoi est-ce que vous résistez à un homme juste? He testified. Il a témoigné. And all those were there. Ce qui était là, si tu te souviens. None of us could say, no, you took this man's daughter, you took this man's daughter. Personne ne pouvait dire, tu as pris la femme de cet homme, tu as pris l'enfant, la fille de cet homme, tu as pris l'argent de cet homme. Our leaders must be people of integrity. Nos dirigeants doivent être des gens d'intégrité. If you send a brother or sister to marry, don't expect her to spend more than what you are giving her, you are a thief. Si tu envoies un frère ou une sœur au marché, et tu ne t'attends pas à ce qu'il dépense plus d'argent que tu ne lui donnes en taxi. Tu ne lui donnes même pas l'argent de taxi. Si tu fais ça, tu es un voleur. Pay all the expenses. Paye tous les frais. Sinon, you are a leader who is cheating people. Sinon, tu es un dirigeant qui est en train de tromper les gens, de tricher. We should be people of integrity. Nous devons être des gens d'intégrité. We should be people of integrity. Nous devons être un peuple d'intégrité. God expects it of all Dieu attend cela de tous ceux qui sont dans la direction. De pouvoir rendre témoignage, je n'ai pas utilisé la fille ou l'enfant de cette personne. Paul a dit qu'il a tout payé. Il a payé les factures de toutes les factures de son ministère. Except the churches that entered into partnership. Sauf dans le cas des églises qui sont entrées en partenariat avec lui. We need it. Nous avons besoin de tels dirigeants. Vous avez entendu ce que ce commissaire a dit au Togo dans le documentaire. CNCI. Non, il sait non. Les pasteurs viennent ici luttant sur l'argent des fidèles. Il y a les pasteurs qui viennent ici luttant pour discuter l'argent des fidèles. Mais tu as pu venir pour exposer les gens. Tu viens pour exposer les voleurs. Les gens qui ont volé. Ça, c'est le témoignage de plusieurs supposés pasteurs pentecôtistes. Ils exploitent le peuple. It is not of God. Cela ne vient pas de Dieu. It's not the Bible. Cela n'est pas, ce n'est pas selon l'Esprit. It's not what we have learned. Ce n'est pas ce que nous avons appris. It's not enough just to call Brazzard 80 times in one sentence. Ce n'est pas suffisant d'appeler le nom du frère Zach 80 fois dans une phrase. Imitate
He meets his relationship with God, the way he sought God, the way he obeyed. Meeting his real spiritual child. Il imite sa relation avec Dieu. Il imite la manière dont il a cherché Dieu et marché avec Dieu. C'est ça être son enfant spirituel véritable. To be part of his ministry. C'est ça faire partie de son ministère. Not to wear a t-shirt and a face cap. Ce n'est pas porter un t-shirt et une casquette. Praise the Lord. Gloire à Dieu. He prayed. When he prayed and God answered by sending thunder to show the world how angry God was with him. Quand il a prié et Dieu a répondu en envoyant le tonnerre pour montrer au peuple combien il était fâché contre eux. It was not that they said, "Oh, well, you see what you're missing." Et ce n'était pas pour dire, ce n'était pas pour que Samuel dise, vous voyez ce que vous l'avez. Moi, j'ai la puissance avec Dieu. C'était pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. C'était pour qu'ils voient que ce qu'ils avaient demandé à Dieu, à savoir un roi, que ça avait beaucoup offensé. Et que bien que Dieu leur ait donné un roi dans sa volonté permissive, Dieu se préoccupait qu'ils craignent leur Dieu. Il se préoccupait qu'ils les voient craindre leur Dieu. Que cinq personnes qui veulent prier, prient. You could pray asking God to raise for us leaders who are integral. Or you can pray for yourself that you be someone who is integral. Tu peux prier pour demander à Dieu de nous donner des dirigeants, de susciter pour nous des dirigeants qui sont intègres. Ou alors prier pour toi-même pour que tu sois intègre. The fear of God, la crainte de Dieu, besides just getting rid of what God doesn't en dehors de se débarrasser de ce que Dieu ne veut pas, also includes living under the eye of God. Ça inclut aussi le fait de vivre conscient de ce que Dieu te voit 24 heures par jour. That's really the fear of God. C'est ça, la crainte de Dieu. Each child of God, each leader leads conscious of the fact that God is with him. Si chaque dirigeant, si chaque enfant de Dieu vivait conscient du fait que Dieu est à côté de lui, we'll have a very holy community. Nous aurions une communauté très sainte. And we influence the world. Et nous influencerions le monde. And strengthen the people of God. Et nous fortifierons le peuple de Dieu. And help strengthen them. Et nous aiderions à aligner le peuple de Dieu. Because you see, at least some believers are living God's standards. Parce qu'au moins, ils verraient certains croyants qui vivent selon le standard, les standards de Dieu. Justify those standards. Que les cinq personnes qui sont venues. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, te suppliant, Père éternel, afin que tu m'accordes de vivre réellement sous ton regard 24 heures par jour et que je sois une personne intègre, Seigneur, devant toi. Je prie, Père, que tu nous bénisses dans notre ministère avec des dirigeants intègres et qui vivent, Seigneur, sous ton regard 24 heures par jour. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, merci, oh Dieu, pour cet exemple, Seigneur, de Samuel, Seigneur Bénin. Je prie, oh Seigneur Dieu Bénin, accorde-moi, Seigneur, d'être un dirigeant intègre, Seigneur Bénin. Un dirigeant, Seigneur Dieu, au Père, avec un bon témoignage, Seigneur Bénin. Que je n'ai rien pu de quelqu'un, que je n'ai escroqué personne, Seigneur Dieu. Je prie, oh éternel, mon Dieu. Bénis-moi, Seigneur Dieu, avec cette crainte de Dieu, Seigneur Bénin, oh Dieu, grâce. Je prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur Bénin, oh Dieu. Accorde-nous, Seigneur, dans notre communauté, des dirigeants intègres, Seigneur Bénin, oh Dieu. Des dirigeants, Seigneur Dieu, qui ont un bon témoignage. Même parmi les non-croyants, Seigneur, à qui ces non-croyants peuvent se tourner avec confiance, sachant que Dieu les exauce. Je prie, Seigneur Dieu, fais le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You need to nourish the burdens that God has placed on your heart. Tu as besoin de nourrir les fardeaux que tu as placés sur ton cœur. If not, the burden will die. Sinon, le fardeau va mourir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We'll sing one stanza of the God with the glory breaking his nous allons chanter une strophe de A Dieu soit la gloire. Et on va manger. To God be the glory. Adieu, soit la gloire.
fixée par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Et il offrit lui, et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à la rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, et que les Philistins étaient concentrés à mes marches, je me suis dit, « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. » Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi son autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais, puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Puis Samuel le quitta et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. Saül et ses fils Jonathan avaient pris position à Geba de Benjamin avec les gens qui leur restaient, tandis que les Philistins campaient à Michmash. Une troupe de choc sortit des camps des Philistins et se divisa en trois compagnies. L'une d'elles prit la direction d'Ophra, dans le pays de Shual, la deuxième se dirigea vers Beth-Horon, et la troisième monta sur les hauteurs par le chemin de la frontière qui domine la vallée de Théboïm du côté du désert. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs sortes de charrues, leurs pioches, leurs haches, leurs bêches, lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussées, ainsi que pour redresser leurs aiguillons. C'est pourquoi, le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Un avant-poste philistin vint prendre position au défilé de Michmash. Amen. Chapter 14, verse 7, verse 1. One day, Jonathan, son of Saul, said to the young man bearing his armor, come, let's go over to the Philistine outpost, to the other side. But he did not tell his father. Saul was staying on the outskirts of Gibeah, under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men, among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. He was a son of Ichabod's brother Ahito, son of Phinehas, son of Eli, the Lord's priest in Shiloh. No one was aware that Jonathan had left. On each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost was a cliff. One was called Bozes and the other Seneb. One cliff stood to the north toward Michmash, the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor bearer, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act on our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all that you have in mind, his armor bearer said. Go ahead, I am with you, heart and soul. Jonathan said, come then, we will cross over
toward the men and let them see us. If they say to us, wait there until we come to you, we will stay where we are and not go up to them. But if they say, come up to us, we will climb up because that will be our sign that the Lord has given them into our hands. So both of them showed themselves to the Philistine outpost. Look, said the Philistine, the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in. The men of the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, come up to us and we'll teach you a lesson. So Jonathan said to his armor bearer, climb up after me. The Lord has given them into the hand of Israel. Jonathan climbed up using his hands and feet, and his armor bearer, with his armor bearer right behind him. The Philistines fell before Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. Verse 15. Then panic struck the whole army, those in the camp and field, and those in the outposts and raiding parties, and the ground shook. It was a panic sent by God. Saul's lookout at Gibeah in Benjamin saw the army melting away in all directions. Then Saul said to the men who were with him, muster your forces and see who has left us. When they did, it was Jonathan and his armor bearer who were not there. Saul said to Ahijah, bring the ark of God. At that time, it was with the Israelites. While Saul was talking to the priest, the tumult in the Philistine camp increased more and more. So Saul said to the priest, withdraw your hand. Then Saul and all his men assembled and went to battle. They found the Philistines in total confusion, striking each other with their swords. Those Hebrews who had previously been with the Philistines and had gone up with them to their camp, went over to the Israelites who were with Saul and Jonathan. When all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim heard that the Philistines were on the run, they joined the battle in hot pursuit. So the Lord rescued Israel that day, and the battle moved on beyond Beth Aven. 24. Now the men of Israel were in distress that day because Saul had bound the people under an oath, saying, cursed be anyone who eats food before evening comes, before I have avenged myself on my enemies. So none of the troops tasted food. The entire army entered the woods, and there was panic on the ground. When they went up into the woods, they saw the honey oozing out, yet no one put his hand to his mouth because they feared the oath. But Jonathan had not heard that his father had bound the people with the oath, so he reached out the end of his staff that was in his hand and dipped it into the honeycomb. He raised his hand to his mouth, and his eyes brightened. Then one of the soldiers told him, your father bound the army under a strict oath, saying, cursed be any man who eats food today. That is why the men are faint. Jonathan said, my father has made trouble for the country. See how my eyes brightened when I tasted a little of this honey. How much better it would have been if the men had eaten some today. How much better it would have been if the men had eaten today some of the plunder they took from their enemies. Would not the slaughter of the Philistines have been greater? That day, after the Israelites had struck down the Philistines from Michmash to Aijalon, they were exhausted. They pounced on the plunder, and taking sheep and cattle and cows,
They butchered them on the ground and ate them together with the blood. Then someone said to Saul, "Look, the men are sinning against the Lord by eating meat that has blood in it." "You have broken faith," he said. "Roll a large stone over here at once." Then he said, "Go out among the men and tell them, 'Each of you, bring me your cattle and sheep and slaughter them here and eat them. Do not sin against the Lord by eating meat with blood still in it.'" So everyone brought his ox that night and slaughtered it there. Then Saul built an altar to the Lord. It was the first time he had done this. Saul said, "Let us go down after the Philistines by night and plunder them till dawn, and let us not leave one of them alive." "Do whatever seems best to you," they replied. But the priest said, "Let us inquire of God here." So Saul asked God, "Shall I go down after the Philistines? Will you give them into Israel's hand?" But God did not answer him that day. Saul therefore said, "Come here, all you who are leaders of the army, and let us find out what sin has been committed today. As surely as the Lord who rescues Israel lives, even if it lies with my son Jonathan, he must die." But not one of the men said a word. Saul then said to all the Israelites, "You stand over there. I and Jonathan, my son, will stand over here. Do what seems best to you," the men replied. Then Saul prayed to the Lord, the God of Israel, "Give me the right answer." And Jonathan and Saul were taken by lot, and the men were cleared. Saul said, "Cast the lot between me and Jonathan, my son." And Jonathan was taken. Then Saul said to Jonathan, "Tell me what you have done." So Jonathan told him, "I merely tasted a little money at the end of my staff, and now must I die?" Saul said, "May God deal with me, be it ever so severely, if you do not die, Jonathan." But the men said to Saul, should Jonathan die, he who has brought about this great deliverance in Israel, never. As surely as the Lord lives, not a hair of his head will fall to the ground, for he did this today with God's help." So the men rescued Jonathan, and he was not put to death. Then Saul stopped pursuing the Philistines, and they withdrew to their own land. After Saul had assumed rule over Israel, he fought against their enemies on every side: Moab, the Ammonites, Edom, the kings of Zobah, and the Philistines. Whenever he turned, he inflicted punishment on them. He fought valiantly and defeated the Amalekites, delivering Israel from the hands of those who plundered them. Verse 49. Saul's sons Jonathan, Ishbi, and Saul's sons were Jonathan, Ishbi, and Malchishua. The name of his oldest daughter was Merah, and that of the younger was Michal. His wife's name was Ahinoam, daughter of Ahimaaz. The name of the commander of Saul's army was Abner, son of Ner, and Ner was Saul's uncle. Saul's father Kish and Abner's father Ner were sons of Abiel. All the days of Saul, there was bitter war with the Philistines, and whenever Saul saw a mighty or a brave man, he took him into his service. Amen. Amen. Quand Samuel came, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et qu'il ne pouvait pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes,
enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Élaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez retirer pour sortir du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila à jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit le vent Agag, roi d'Amalek, et il dévoila par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et ils devouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il s'éleva le bon matin pour aller au-devant de Saül. Et en vain lui dit, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé en monument. Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, que c'est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel comme Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par l'interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef? N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et ne vous pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené à ta couronne, roi d'Amalec, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prévu c'est ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les dérapages. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne-moi, pardonne mon péché, reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi le royaume, la royauté d'Israël et le donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne manque point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se mentir. Saül, car il n'est pas un homme pour se repentir. Pardon. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël.
Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amène-moi à la voie d'Amalek. Et Adam s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement la nature de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton père a privé les femmes et de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Adam en pièce devant l'Éternel avec une garde. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibea de Saül. Samuel n'alla plus vers Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël, comme la chance. I'm sure we are tired. We're fatigued. We're exhausted. But tired yet present. Nous avons prié, nous avons passé quelque temps à prier pour certains de nos enfants qui sont engagés dans le book ministry. We'll take some time to pray for some of our children who are committed to the book ministry. Nous avons vu hier le documentaire. Yesterday we saw the document. Ce que le livre a fait au Bénin. What the book has done in Bénin. Un seul livre. Just one book. Peut-être que vous encouragez encore pour parce que je vois que les gens sont fatigués. Maybe to encourage you again because I see that people are tired. Nous allons écouter. Je voudrais que la sœur Ariette donne un peu d'historique brièvement sur le frère Bossou. I would like Ariette to give us a flashback about Frère Bossou. Parce qu'à l'époque, c'est elle qui exerçait le ministère pastoral. Because at that time, she was the one handling the pastoral ministry de nos livres. Of our book. Et elle a suivi de près le frère Bossou. And she went on closely with Brother Bossou. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le frère Bossou était dans le temps un étudiant de l'école normale. Il était un jeune étudiant de l'école normale au Bénin. At that time, Brother Bossou was a young student in the university in l'école normale in Benin. Il avait cru. He had believed. Et comment nous sommes entrés en contact avec lui? And how did we get in contact with him? Il avait cru dans un groupe et dans sa dénomination. He believed in a group. Dans sa dénomination. In his own denomination. Et dans sa dénomination, on est persécuté. And in his denomination, there was persecution. Il n'était pas seul. He wasn't alone. Et dans le temps, la page imprimée, on faisait les livres à Bokada et on mettait en polycope. At that time, books were produced in the form of polycopies. That was in Bokada. Et le frère ça nous donnait des adresses et on envoyait les livres par carton dans les nations. And Brazop used to give us addresses and using them, we used to send books into nations in cartons. Non, on voyait par exemple les noms des pasteurs et puis on expédiait les livres. We'll get, for example, the name of the address of a pastor and then we'll send books to him. C'est ainsi qu'on avait envoyé plusieurs cartons de livres au Bénin. It is using this means that we send many books to Benin, many cartons of books. Et c'était à un pasteur baptiste. And it was to a Baptist pastor. Le pasteur baptiste a reçu les livres. The Baptist pastor received the books. Et c'était le Faire les disciples. And the, le livre Faire les disciples. And the book, and the book was titled The Making of Disciples. Quand il a lu le livre, when he read the book, comme c'était si radical, since it was very radical. Il a dit que non, il ne peut pas faire lire ça à ses fidèles. So he told himself that no, I cannot allow my people to read this book. Que ça, ce sont les sectaires. Les gens de la secte. Oh, so that this writer are people of a sect. Non, il a décidé d'utiliser
ces livres comme papier hygiénique. So he decided to use the books for toilet paper. Donc il déposait les livres à au WC. So he would drop a book in the toilet. Non. He would put the book somewhere. Oui, quand ils sont les le papier est déjà déchiré ça pour. So he would place the book somewhere in the toilet and people would come and tear paper from there to use as toilet paper. C'est ainsi que quelqu'un, du moins un partenaire de Bosson, comme il avait la relation avec ce partenaire, est parti à la maison. Bon, après, il est parti aux toilettes. That's how Brother Bosson, since he had a relationship. Non, pas le Bosson, son ami. Okay, Brother Bosson's friend had a relationship with this pastor, so he visited him and then had to go to the toilet. Et pendant qu'il était aux toilettes, il a pris le, il s'est mis à lire. So while he was in the toilet, he started reading the book. On avait déjà déchiré une bonne partie. Many of the pages were already torn. Mais à la fin du livre, il y a toujours nos adresses derrière le livre. But since we always have our addresses at the end of the book, il a pris le livre. He took the book. Quand il a lu, le message était très tranchant. When he read it, the message was very. Il est parti voir Bosson et lui montrer ce qu'il a lu. So he took the book to Brother Bosson and showed him what he read. Et comme ils avaient soif, and since they were thirsty for the word of God, il a dit, ils sont partis supplier le pasteur de leur donner le livre. They went and pleaded with this pastor to give them the book. Mais il a dit qu'il ne peut pas le donner parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. But he told them that he will not give them the books because they are written by somebody who is not a good person. Mais comme il y a l'adresse derrière le livre. But since there was the address behind the book. Le frère Bosson a pris l'adresse. Brother Bosson took the address. Et il l'a écrit. And he wrote to Yahweh. Aux gens de Ituman. C'est comme ça qu'on est entré en contact avec lui. So that's how we got into contact with him. Et il a commencé la correspondance avec le frère Zach. And he started correspondence with Brother Zach. Et en ce moment-là, c'est moi qui répondais aux lettres écrites en français. And at that time, I'm the one who replied to letters that were written in French. Il a écrit plusieurs lettres. He wrote so many letters. J'ai répondu. I replied to him. J'ai lui envoyé des livres. I sent books to him. Mais à un certain moment, il n'était plus satisfait de la correspondance. At one point, he was no more satisfied with the correspondence. Il a décidé de venir au Cameroun chercher le monsieur qui était derrière le livre. He decided to come to Cameroon to see the person who was writing this book. C'était un jeune étudiant de l'école normale. He was a young student in l'école normale. C'est ainsi que un soir, nous sommes restés à, du moins on est resté à Bokada et quelqu'un. Bokada, c'était notre siège. Bokada, at that time, was our headquarters. Il a atterri. On nous a dit, quelqu'un vient du Bénin et il a... Non, avant ça, il avait écrit pour dire au frère Zach qu'il voudrait venir au Cameroun. Le frère Zach a dit de répondre pour lui dire que de ne pas venir. So he wrote to tell Brother Zach that he wants to come to Cameroon. And Brother asked him to reply, telling him that he shouldn't come. Mais ne pouvait pas supporter de ne pas venir. But he could not support not coming. Et subitement, un soir, nous voyons un jeune homme qui atterrit à Bokada. And one evening, we saw a young man who landed in Bokada. Et le frère était en retrait dans le temps à Colbison. And at that time, Brother was on retreat in Colbison. À Colbison, non pas Colbison, Colbison, à Yaoundé. J'étais effrayé parce que je savais que c'était notre correspondant à qui le frère avait dit de ne pas venir. I was afraid because I thought it should be I knew that this is our correspondent whom Raza has said, don't come. Et j'étais avec le frère Victor Aladou à Bokadana cette nuit-là. And that night, I was in Bokada with Brother Victor Aladou. La chose que j'ai pu faire, c'était juste d'aller à Côte de Saint-Pierre au frère que le monsieur
qui te dit, à qui on a dit de ne pas venir, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? All I could do was to go to call this on. Tell brother that the man we wrote to say he shouldn't come has come. Now what do I do? Il m'a dit d'aller lui dire qu'il ne veut pas nous voir, de rentrer immédiatement. Brother said, I should go and tell him that he would not want to see him, and then he should go back immediately. Mais comme j'étais très effrayée, but since I was very frightened, le frère lui-même, il a écrit, il a pris du temps, il a écrit. Razak sat down himself and wrote. Il m'a dit d'aller lui donner la lettre. He told me to go and give me the letter to go and give me. Je suis arrivé, je lui ai demandé, est-ce que tu sais lire en anglais? And when I got there, I asked him, do you know how to read in English? He said yes. Je suis parti voir d'abord le frère à la maison. I first went to look for brother Aladou. J'ai dit pardon, prions avant de donner la lettre aussi à cet homme. I told him, please let's pray before we hand this letter to this man. On a prié. Le frère a demandé de rentrer. Brother was asking him in the letter to go back. Il a pris la lettre, il a lu. He took the letter and read. Il a dit ok. He said ok. Bon, après, il fallait qu'il dorme quelque part. But he had to sleep somewhere. Non, il est parti avec le frère Aladou dormir avec lui. So he went with brother Aladou to sleep with him. Mais comme les dieux font les choses. But as God had it. Le matin quand je suis parti voir le frère Zach. In the morning when I went to see brother Zach. Il m'a demandé que il y avait réunion d'enseignement ce soir. Razak asked that there should be a teaching. Non, il y avait. So there was supposed to be a teaching meeting that evening. Il ne suppose pas, il y avait une réunion ce soir. Okay, that evening, there was a Tuesday teaching meeting. Oui. Il a demandé alors que. Il est vrai que dans le temps, il y avait trop d'escrocs et trop de voleurs qui venaient nous escroquer les livres. C'est pour ça que le frère ne voulait même pas le voir. Mais là, dit, dis quand même à cet escroc de venir à la rue. So, at that time, there were many groups who came to steal our books and stole things from us. So, brother said, tell that group to at least attend the meeting. Ok, je suis parti, je l'ai cherché, je l'ai amené à la rue. So, I went to get him and brought him to the meeting. Après la réunion, at the end of the meeting, il a rencontré le frère Zach. He met brother Zach. Et voilà là où l'histoire a commencé. And that was the beginning of the story. Gloire à Dieu. Amen. Parce que même hier, beaucoup de gens demandaient et ne comprenaient pas parce que ce n'était pas très clair à partir de l'écran. Donc voilà ce qui s'est passé. Finalement, le frère Zach a rencontré. So, brother, finally, met me. Et c'est comme ça que le contact a été établi. And that's how the contact was established. Et bon, la suite de l'histoire, vous connaissez. And the rest of the story, you know. Mais voilà ce que le livre peut faire. But that's what the book can do. Soutenu par la prière. Sustained by prayer. Je ne connaissais même pas l'autre partie de l'histoire. Elle avait prié avec le frère à la boue. I didn't know that part of the story that she prayed. C'est la prière là qui a fait changer l'idée pour faire ça. Mais non, il faut que je reçoive ce jeune homme. It is that prayer that the brother to change his mind and try to meet that young man. Donc ici, je vais distribuer les noms. Ça, ce sont tous ceux qui sont impliqués dans le book ministry, dans le monde entier. I would distribute this name. There are the names of those who are involved in the book ministry. Worldwide. Nous avons fait beaucoup de progrès avec les livres. We have made a lot of progress with the book. Mais nous devons faire attention. But we have to be careful. Parce que plus l'œuvre augmente, plus il faut aussi augmenter le volume de prière. Because the more the work grows, the more the volume of prayer grows. Et ces jeunes gens sont très excités. And tout avec les technologies modernes là. These young men are very, very, very excited with the modern. Technology. Actuellement, nous avons les e-books. Ceux qui ne savent pas ce que c'est les e-books, moi je ne maîtrise pas très bien. Mais now we have the e-books. Most of us don't even understand what À travers Internet. Through Internet. Il y a les audiobooks. There are audiobooks. C'est-à-dire tu te connectes sur Internet et tu écoutes. J'ai déjà écouté un livre comme ça. Tu peux te connecter sur Internet. Lu par quelqu'un. Read by somebody. Mais nous devons contrôler tout ça.
par la prière. All that we have to sustain through prayer. Il y en a qui veulent déjà transformer nos livres en vidéo. There are also people who want to transform our books into videos. C'est bien. It's good. Parce que de plus en plus, les gens ne s'asseyent plus pour lire des livres comme nous là. Because more and more people don't want to sit down to read books as we do. Ils veulent écouter. They want to listen. Ils veulent voir. They want to see. Donc nous allons prier pour ces noms là. So we are going to pray for these people. Bon, vous mettez deux à deux, s'il vous plaît. Je vais distribuer d'abord les noms. I will distribute the names. Donc, vous notez. Vous mettez dans les noms.